Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes le 28 juin. Bon, ben la saison Mario contre Luigi pour la troisième fois prend fin. Est-ce que Luigi va finalement gagner? Bon, ok, c'est sûr et certain que là, avec 6 points de retard, c'est difficile de remonter à la pente. À 4 points, c'est faisable, à 6 points, je suis pas sûr. En termes de pourcentage. Donc, une nouvelle saison arrive, c'est la saison nocturne. Dans le fond, un nouveau terme qui arrive, dans le fond, par rapport à la nuit, la pleine lune, ce genre de choses-là. Bon, ville de Rome qui apparaît, je sais pas trop comme en français, ça va être quoi, comment ça va se nommer. Puis en passant, Donkey Kong, le mot que je cherchais pour. Spécifier le nouveau alternatif de Donkey Kong, son tout premier, c'est Gladiateur. C'est ça que je cherchais comme mot, mais je le trouvais pas. Je l'ai su en allant voir la vidéo de la réaction de RDX de Gamer, là, mais en tout cas, de Rider Gamer. Bon, ok. Lui est content parce qu'il sait que Wiggler va s'en venir. À cause du costume, tenue de Wiggler. Bon, ben, ça serait bien si c'est Luigi pour gagner. Ça serait quand même. Toute une surprise. Et moi, quelque chose me dit que c'est l'équipe Mario qui gagne. Mais on verra. Sait-on jamais. Hier, j'ai pris une pause. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça. Et comme à l'habituel, à chaque mercredi ou deux semaines, à chaque semaine, je vous montre les nouveautés pour la saison en cours. Puis là, tout de Mario Musicien et de Luigi Vacancier qui est au loin. On peut attendre toute une saison parce que là, le canon banane pour le tenue apparaît. Pour la première fois, il va avoir une tenue qui aura le canon banane. Moi, j'imagine qu'il va être dans le classement hebdomadaire vu que c'est une première puis c'est un item très rare. Les deux seuls qui l'avaient, c'était Diddy Coin, puis Funky Coin. Bon, allons voir qui a gagné cette ronde-là. Ben, comme que je vous l'avais dit. Hein, c'est l'équipe meilleure qui a gagné, mais au moins, j'aurai une petite médaille d'argent. Pour la deuxième place. Il aurait fallu que l'équipe vous ait dit se force un peu plus, mais c'est ça. Ok, ça, moi je suis allé chercher parce que c'est 1000 de plus, ouais. En jetons. Bon, maintenant, est-ce que j'ai terminé deuxième dans mon classement de médaille? Top miss, c'est sûr que j'y suis. C'est sûr. Bon, est-ce que j'ai réussi à aller chercher le tenumi? Pas le tenumi, voyons donc. Ah ben oui, je finis deuxième. Donc, il n'y a rien qui a changé depuis hier soir. Et voilà le Luigi Chevalier Or que j'ai obtenu. Avec un beau tuyau d'or. Ok, le vide bolide. Bon, ok, on l'a dit. Ça, voilà. Donc voici le résultat. Bon, on va aller voir mes amis maintenant. Bon, puis pour une deuxième fois de suite dans mes amis, mais c'est moi qui ai la première place. Bon, oui, ok. Oui.
Ouais, c'est Route Claire de Lune, j'avais bien raison. C'était bien le bon nom du circuit de la version Wii qui apparaît. Ça pouvait être aussi pénible, mais moi je pense que c'était plus Claire de Lune. Ok, voici 30% de réduction sur la saison. Ok, voici Donkey Kong Gladiateur. Voilà. Il y a la saison nocturne avec Ozymobile. Ok, allons voir qu'est-ce qu'il nous offre. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette saison-ci. Ok. Donc, Donkey Kong Gladiateur et les ailes dufteuses irisées. Ok, okay, les nouvelles ailes, c'est ça. Ok, d'accord. Dans les circuits Romatica. Ah oui, ça se nomme Romatica. Ok. Et Romatica 2 ici. Ok, d'accord. Circuits de la groupe classe de la première partie de la saison sont leurs circuits trois favoris. Le Chad Chump. Ok, ça se nomme le Chad Chump. Le gros cas de Chump. En fait, de Boulouf. Et son circuit trois favoris, Romatica, est aussi en lumière. Ouais, ça, on sait déjà que c'est toujours en promotion la sélection en lumière mentionnée ci-dessus. On a tenu Mi-Torp. Pitope est en promotion dans la sélection de cette saison. Ok, surprenant. Il est également plein d'autres tenues, oui, dans la boutique, d'accord. Donc, il y a aucun mi à rabais que je possède en ce moment, que je ne possède pas en ce moment. Donc, ça me permet de faire d'autres économies. Tenues au sec. Et masquage jaune. Ok, okay, c'est bien le masquage jaune. Je pensais que c'était un fake encore. Si vous terminez également au sommet du classement de la coupe classée de la seconde partie de la saison, vous pourrez obtenir Scurrilex Or et Eldufteuse Doré. Ok. Oui, il est doré dans le classement hebdomadaire. Ok. Donc, ça va être avec le Scurrilex Or pour la première semaine, pour la deuxième semaine, pour la première semaine. C'est ce qui est ici. Comme récompense, très bien. C'est la coupe Funky. On commence avec la coupe Funky Coin. Ok, sera, non, la coupe Funky Coin sera la coupe classée de la seconde saison. Hey, devinez que je l'ai obtenu hier. Il était dans ma boutique en lumière, mais de toute façon, j'en ai vraiment pas besoin. Mais si je l'aurais acheté, j'aurais la ramené au niveau 6. Donc, on a ça. On a une nouvelle coupe pour le top 1000, top 10 puis top 100. Nice, hein? C'est le Donkey Kong Gladiateur. C'est bien. Bon, quelle spécialité va-t-il avoir? Bon, il y en a beaucoup qui produisent la fleur boomerang. Moi, je sais pas. Moi, vu que c'est le tout premier, moi, je dirais plus le canon bobon, je pense. Moi, j'aurais plus dit le canon bobon. Ou pourquoi pas une boîte à pieds, ça serait génial, ça. Mais on verra tout ça bientôt. Oh, regardez ça, les belles ailes. Waouh! Hey, c'est vraiment beau, ces ailes-là. Ah, tiens, la tenue on pourra l'obtenir, la tenue vert clair. Là, c'est assez light green en anglais. C'est que ça se nomme. Défi à deux, faites avec un ami pour collecter des jetons. Ok. On est tous contre la famille Donkey Kong. Ok. Ben, super ça. Donc, Romatica. Eh bien, c'est un drôle de nom pareil, ça y est, ça fait comme style romantique, hein? Ah, c'est drôle, pareil, que ça donne de même. Autre carte de lune, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bataille de ballon, oh oui, la version DS, oui, c'est sûr, c'est normal. Virage à Vancouver, escapade à New York aussi. Hein, quand il me dit badabing, badabo, mais je sais pas si la bataille escapade à New York B apparaît, comme que Draco 155 le prédisait, probablement avec pour Mario Musicien. Ah, ben non, regardez, il est en classement hebdomadaire. Tour de touriste, yes, big the good, hein. Virage à Vancouver 2. Pour ça, Singapour 2, comme que je vous l'avais dit, il est là. Virage à Vancouver, ok. Romatica, Road de Claire de Lune, SIA. Stade Waluigi, bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas le faire revenir. Et c'est ça qu'il y a pour le moment. Dans les circuits. Puis c'est tenu mi-vert clair que je pourrais jouer aujourd'hui. Ok. Pour le défi du jour. Ouais, route claire de lune.
D'après ça, on a Rutger Dögglin, SI. Ok, on a un SI pour l'un des classements de Brandon. On en a deux. Bon, ben, allons voir qu'est-ce qu'on a dans la boutique. Ok, les nouveaux cartes. Ben, l'os au sec mobile. Avec une Turbo Plus. Ah, pour commencer, route claire de lune. Route de claire de lune ici, donc ça va être un cart payant, mais par contre, le cart, il a de l'air petit. Bon, ok, Romantica 2 SIA, Village de Vancouver 2, et pour ça, c'est Gapo 2 SIA. Dans le fond, on a beaucoup de versions 1 puis 2. Cette saison aussi, ok, avec les... Donc, si des blocs Chromatica ici, au niveau 6, et bien ce code-là pourrait être doublé, ça veut dire, pour la semaine prochaine. Ok. D'accord. Ça, c'est bon, ça. Ok, 7 circuits favoris pour commencer avec ça aussi. Donc, là, c'est sec, et c'est tout. Ok. Bon, c'est pas un code que je pense que je vais aller chercher. Pour moi, c'est pas assez intéressant. Bon, qu'est-ce qu'il a comme spécialité pour le nouvel alternatif de Donkey Kong, le premier en 3 ans et demi? Eh bien, le monde a bien eu raison de dire la fleur boomerang, mais ben, merveilleux. Eh oui, est-ce que Panda New York B revient? C'est dommage que... c'est très dommage que quelqu'un nouveau circuit de ville qui apparaît. Pourquoi pas inventer une nouvelle bataille? Pourquoi toujours revenir avec les mêmes batailles? J'aimerais ça comprendre ça, moi. Bon, puis ça, Waluigi SI, Romantica 2 SI, Romantica, Route Claire de Lune SIA. Est-ce qu'il y a pas de New York SI? Ben, avec les circuits ultra favoris à débloquer ce compte. Dans le fond, c'est plus une saison de version 1 ou 2 des circuits de ville. Puis on a vu Stade Waluigi qui revient. C'est bien quand même. On pourra jouer en 2 semaines de plus avec ça. Oui, le gladiateur avec ça. Ouais, ouais, c'est quand même intéressant. Bon, ben, pouf, away, go, j'allais le chercher. Et voici le char Chomp. Oh, qui a l'air quand même massif et dangereux. Avec aspiration plus, ouais, quand même. Pas mal, c'est la même idée que le boline. Le boline noir, là. Bon, ok, poursuite à Singapour, SIA, Stade Waluigi. Romantica, Romantica SIA et Romantica SI. Bon, excusez-moi d'interruption. Donc, on a ça comme circuit travailleur pour commencer pour le Chan Champ. Puis, on a ça ici. Bon, je vais attendre un peu avant de l'acheter. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les ailes, qui sont vraiment beaux. Ici, ailes du teus irisé. Ah, la spécialité beau, c'est quand même pas si pire que ça.
Ok, donc pour ça c'est Capor SIA, Stade Waluigi SIA, Romatica, Romatica 2A, Romatica SI, voyons donc, il y a beaucoup de Romatica. Ok, il y a beaucoup de versions Romatica. Il y a Romatica 2 SI. Ouais, c'est quand même intéressant. Oui, tous des circuits de ville différents, c'est très bien ça. C'est réellement varié. Comme circuit 3 favori, ok. C'est ici, nice. Bon, ça me tente d'avoir ces ailes-là, je vais aller chercher ça. Ok, aujourd'hui en lumière. Ah tiens, Bulldozer qui est là. Trop de touristes. Harmonie de glace. Mario Sunshine, Pushy. Probablement qu'il va être dans le classement hebdomadaire encore une fois. Et Funky Coin. Que j'avais hier dans ma boutique du jour. En rabais à 12 000 pièces. Qui apparaît pour une deuxième journée de suite pour moi. On a quand même des beaux cartes aussi. Tiens, il y a Bulldozer. Oh, tiens. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Il y a un petit Romatica 2 SIA. Ok. Pushy, Pushy. Toi, qu'est-ce que tu obtiens, toi, mon beau Pushy? Ah, il est là dans Route Claire de Lune. Hey, génial. Puis il est dans Romatica ici. Ok, c'est super ça. Une route de clair de lune, c'est parfait ça. Tortoise, on sait qu'il est là pour la deuxième pour la prochaine semaine. Route clair de lune est Sios, pour ça de Singapour et Escapade New York 15. Donc il a obtenu trois nouveaux circuits, c'est super ça. Ah, regardez l'aile moustache de glace, de maillot de glace qui est en cours de retour. Une très bonne aile ça. Je connais quelqu'un qui va être content de l'utiliser. Circuit Peach, Autodrome A et Route Claire de Lune. Ah, oh, il a tenu trois. Non, excusez-moi, pas vrai. Il a tenu un nouveau circuit. Désolé. Ouais, voilà. Ah oui, lui aussi, il est là. Elle, l'étoile noire. Non, il n'a rien obtenu, lui. Ah, oh, ben, pardon. Ah oh, non, il y a Romatica 2 que je vois ici. Route Claire de Lune. Il a tenu trois nouveaux circuits. Wow! Mais il est en haut. Trois nouveaux circuits. Ok, wow! Wow, wow, wow! Ok, d'accord. Intéressant ça. Et ouais, il a tenu mi-hiver clair avec le fameux canon banane. Ouais, c'est ça. Regardez ça. Tonneau à banane. Ok, c'est bon. Pour ça, c'est Capo SIA, Maison de l'Aube, Route Claire de Lune et Romatica SIA. Wow! C'est beau ça. Bon, allez, un autre nouveau tenue pour moi. Let's go, petit Guido. En plus, avec une tenue qui est voyant. Bon, on a un tenue Mi Torpito qui est en rabais, que j'ai déjà acheté la saison dernière, donc ça sert à rien que je la jette encore. Nous avons aussi la tenue Torpito. Oh non, je l'ai pas le Torpito. Je pensais que je l'avais. Non, je l'ai pas pantoute. Je pensais que je l'avais. Pas encore ma possession. Bon, ok. Ah ouais. Je pensais que je l'avais. Bon, excusez-moi, c'est mon erreur à moi. Je pensais que je l'avais pas. Ok, puis après ça, on a aussi la tenue Skorelex, Harmonie, Merlion, tenue mi-blanc, tenue mi-Wario, Yoshi et Carotin. Et on a ça dans notre boutique à jetons et avec le ballon banane.
OK. D'étiquette standard et rare. 3 et 2. Et 2500 ici. Puis on a 15 rubis comme d'habitude avec 34 sets de tuyaux. Qu'est-ce que j'ai dans ma boutique aujourd'hui? Seigneur, il est encore là. OK. Seigneur, il est pratiquement là tous les jours, cette aile-là. Aile en papier, d'accord. C'est juste aile en papier tout court, d'accord. C'est normal. Bon, ben j'ai cette fois-ci, j'ai un ticket limite de points de cœur cette saison pour la boutique de ligue cette semaine. Avec un ticket ultra haut de chaque type. C'est à peu près ça. OK, c'est bon, c'est génial ça. Donc là, on va aller voir les cadeaux saisonniers. Avec deux tuyaux d'or comme à l'habituel. Puis il y a le nouveau cart. Ils ont mis le osso sec or ici. Bon, allons voir. Départ sur beau plus. Capable New York 15 de SI. Virage à Vancouver 2A. Virage à Vancouver 2. Ah, il y a beaucoup. OK, Romantica SIA. OK, d'accord. Avec les circuits débloqués, ce compte, c'est nice. Donc, deux tuyaux d'or. Puis là, c'est l'étiquette de cartes qu'on a à la fin. En bonus. Bon, OK, voilà. Ensuite, il y a les défis. Bon, défi de saison. Bon, OK, d'accord. Réaliser 50 figures. Faites touche 3 fois avec un bonbon. Obtenez 5 fois la mention excellente en réalisant un combo. Obtenez un objet de la section du jour dans la boutique. Décrochez au moins la troisième place 30 fois. Renversez un adversaire pendant qu'il plane. Planez sur une distance totale de 5000 mètres. Renversez vos adversaires avec un méga champi. Concourir sur tous les circuits de toutes les coupes, y compris les épreuves bonus. OK, saison multijoueur pour 5 rubis. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Effectuer 10 figures en mode multijoueur. Effectuer 3 départs de bord en mode multijoueur. Faites mousse 3 fois avec une carapace verte en mode multijoueur. Jouer 3 fois en mode multijoueur, 5 puis 10. Puis enfin, remporter au moins la 3e place une fois. 3 fois puis 5. L'étiquette de pilote et de limite de points pilote avec des pièces comme à l'habituel. Terminer tous les cas de défi, OK, d'accord. Effectuer un combo x30 ou plus. Je le pose 15 fois avec une banane. Décrocher la première place 3 fois de suite en catégorisant CC ou supérieur. Utiliser une étiquette de limite de points. Bon, ça paraît que genre qu'il faudrait utiliser un éclair. Obtenez un score d'au moins 6000 avec une pilote moustachu. OK. Renverser 3 fois vos adversaires pendant un vol plané. Utilisez un éclair. Obtenez un score total d'au moins 20 000 dans la courbe Burjo. Envoyez des pièces de l'amitié à un ami. Défi expert qui revient vu que ça fait plus de 3 mois. Puis on obtient. Oh, OK. On obtient cette carte-là. Ce badge-là. OK, d'accord. Pour compléter la carte, d'accord, en 97 jours. Faites mouche 180 fois avec un bonbon. OK, c'est beaucoup, ça. Faites mouche 600 fois avec une carapace verte. D'accord. Faites mouche 1000 fois avec une banane. Ça va aller vraiment vite. Ça. Avec des bananes, ça va vraiment vite avec moi, là. C'est-à-dire, pour pouvoir faire cet objectif-là, ça va être rapide. Effectuez 5 fois un combo fois 100 ou plus. OK, d'accord, nice. Obtenez un score total d'au moins 450 000 dans une saison. Obtenez 3500 fois la mention excellent en réalisant un combo. Renversez 2800 fois vos adversaires. Ça se peut, ça me prend 2 saisons pour ça. Décrochez 30 fois la première place en mondial. Ça prend un peu de temps, ça. Vu que j'y joue justement pour une journée, pour une soirée. Échapper à une carapace à épines en accélérant grâce à un champi turbo, excusez-moi. Donc ça peut être soit la carapace de Buzzer ou soit la carapace bus, c'est un des deux.
éviter un des deux. À utiliser un champion pour éviter ça. Bon, vais-je finalement réussir à avoir ma première victoire? On verra. Ça, je le sais pas. Quand je me demandais, j'aimerais ça. À un moment donné, là, que ça le fasse. Bon, ok. Maintenant, pour les défis premium. Ok, faites-moi 5 fois avec une carapace verte. Faites-moi 5 fois avec une banane. Faites-moi 3 fois avec un bonbon. Pour 3000 pièces, réalisez 20 figures. Effectuez 150 000 turbos. Et remportez la première place 5. Donc, c'est 3 fois 5 et 10. Après ça, c'est comme d'habitude, c'est. Voyons, 5, 10, 15. Après ça, c'est 10, 15, 20. Faites-moi 10 fois avec une carapace verte dans le défi Premium Plus. Excusez-moi. Faites-moi 10 fois avec une banane. Pour 5000 pièces, utilisez 10 fois un champi de turbo. Réalisez 50 figures. Effectuez 100 mini de turbo. Bon, ici, on a faites-moi 10 fois avec une carapace rouge. Faites-moi 20 fois avec une banane. Pour 2 tickets de capacité de pilote, et bien c'est faites-moi 5 fois avec un bonbon. Réalisez 100 figures pour ceci. Effectuez 150 000 turbos. Et on connaît la suite. Attends, on va aller voir le mode multijoueur. Bon, versus troupe de Donkey Kong. Genre défi à 2 joueurs pour obtenir des pièces à jetons. Ok, ben, ça complète la rubrique des nouveautés pour la première semaine de la saison nocturne. Une première. Bon, je vais aller jouer avec mon défi d'ennemis. Je pense pas que ce soit l'idéal ici, là. Ce serait mieux boîte à pièces. Mais c'est ça qui a été sélectionné pour moi aujourd'hui. Je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Ah oui, j'ai ça aussi. Ok. Encore une fois, j'ai le canon. Et ben, j'ai obtenu deux fois le canon. Une fois une idée du canon, ben, de tonneau banane, puis un tonneau banane. Ah ben, c'était drôle ça. Ok. Bon, le but, c'était pas faire le meilleur score, c'était bien faire la bataille. J'ai obtenu 3 rubis. Bon, ben, ça sera tout pour le moment. Bon, ben, on se reverra pour la suite des choses dans une prochaine vidéo.